Bonjour à tous! Émilie, bonjour! J'espère que vous allez bien. Écoutez, on vous revient donc pour le All Nose. Comme j'ai pu le dire, il y a du Castres et du Castelnaudary. Beaucoup de choses ont été achetées par mon mari, comme je vous ai dit, parce que cette semaine j'avais très très mal à la tête. Et du coup, j'ai pas trop bougé. Juste le strict nécessaire, donc du coup il était allé avec la pépette. Sans plus tarder, on va commencer parce qu'il y a quelques petites choses. Tout d'abord, il y a des dragées en ce moment. Des dragées aux amandes, d'ailleurs j'ai même pas regardé. Ouais, je pense, hein. J'ai l'impression, oui. Ouais, je pense. Je sais pas, je le vois pas marqué. Enfin bon, bref, c'est de la marque Régence. Maman, bonbon. Oui, ce sont des bonbons. Mais c'est pour ton baptême, cet maman. Été. Enfin, cet été. Maman, là. Ah non, ça c'est des bonbons tout court, ça. Donc, on les a payés 3,99 les 1 kg. Et en plus, elles sont... elles sont multicolores. Hein. Donc, on a dit, pour faire voilà, les petits sachets de dragées pour son baptême, ça sera nickel. Et c'est vrai que les moyens chers, à chaque fois, pour notre mariage, on les avait achetés à Tati. Doucement. Oui, et c'était 5,99€, il me semble, le kilo. Donc, elles étaient encore moins chères là. Et en plus, de rien. Elles étaient, c'est multicolore, alors que à Tati, c'est une seule couleur à 5,99€. Donc, du coup, on n'a pas hésité, on a pris de l'eau. Ne touche pas trop, ça fait du bruit, mon gars. Ensuite, on a pris de la marque Nichols, les fameux... ça s'est retourné, ça. Vous savez qu'on met les tiges, là, et ça libère le parfum. En principe, je prends toujours fruits rouges. Là, mon mari, il n'y en avait pas. Et il a dit, oh, tiens, on pourrait quand même en prendre un. Et donc, on l'a pris Flower. Voilà, à tester, à voir. Non, je t'ai dit, tu ne touches pas, ça va faire du bruit. Ensuite, on a trouvé une petite bougie comme ceci pour ses 3 ans, pour fêter ses 3 ans. Voilà, c'est pour souffler, ouais. Pour fêter ses 3 ans, donc on a dit on l'aura d'avance. Et j'ai payé ceci 49 maman. Centimes. Maman. Quoi? Un. Ensuite. Nous avons besoin de... Allez, de piles, sauf quand on est à l'action, il n'y en avait plus. Donc du coup, comme on passait à nos après, on a trouvé celle-ci de la marque Black Red. Il y en a 16 dedans, donc des AA. Et au final, on a payé 2,50€. Donc franchement, on dit pourquoi pas, ça me fait 4 de plus et quand même beaucoup plus cher. Mais bon, on a dit on va tester, de toute façon on en avait besoin. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce petit lot de gloss, de lip gloss, donc 7 brillants à lèvres de la marque Lancé, donc So Girl. À main. Voilà, et j'ai payé ceci 2,99€. À main. Oui, tu en mettras un peu, oui. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des livres de coloriage. Alors là, j'étais trop contente parce que vous savez très bien, je suis fan de tout ce qui est qui se rattache à Harry Potter, tout ce qui est dans l'univers fantastique et tout ça. Et donc là, c'est celui Fantastic Beast. On l'a vu ce film d'ailleurs avec mon mari, il est très très bien. Donc à la base, il vaut 9,99€ et je l'ai payé 2,99€. Donc il est super beau, je vais vous montrer. Alors déjà, il y a des photos du film à la fin. Et après, donc voilà. Donc, super contente. Hein. Et j'ai trouvé le Fantastic Best. Mais là, c'est vraiment les créatures. Alors mon mari m'en avait déjà acheté un peu comme ça. Donc lui aussi, 9,99€. Et j'ai eu à 2,99€. Donc n'hésitez pas si vous aimez ce style de coloriage. Tu touches pas. Non. Je veux pas que tu mets les amis dessus. Voilà. Ensuite, je
il y a beaucoup de choses. Quand même pas mal de choses. On a pris ce petit paquet à 1,29€. Donc ce sont des petits gâteaux secs de la marque Selecta. Alors ça se présente comme ça, il y a deux sachets comme ça dedans. En tout ça fait 3, et ils sont de 300 grammes le sachet, donc ça fait 600 grammes en tout, donc pour 1,29€. Alors je vous le dis de suite, c'est pas le truc du siècle, c'est pas le gâteau du siècle. Donc à tremper dans le café ou pour elle, voilà, à tremper dans du lait, c'est bon. Après, à manger seul, c'est pas non plus le truc de fou. Maman, voilà, si, je vous le dis. Non, maman, ça. Oui, oui. Ensuite, je me suis trouvé une petite paire de bottines comme ceci. Sauf que la grande... le truc de fou. Non, mais en plus, je sais pas, je sentais qu'il y avait une couffe. Il n'y avait pas le prix dessus, donc la caissière a demandé d'aller chercher le code et tout ça. Et puis, donc, elle cherche le code. Donc, elle va chercher le code et tout. Et puis, elle me passe les chaussures et puis voilà. Et puis, voilà. Donc, il va falloir que j'y retourne. Génial, magnifique. Donc, je les ai pris en 38. Elles me vont très bien. Je les avais quand même testées en magasin. Elles sont trop, trop belles. Franchement, je les kiffe. Bon, là, c'est pas encore déballé. Vous voyez qu'elle a une petite boucle là. Et j'ai payé ceci. Ah, mais 9,99€. C'est de la marque Myrta. Voilà. Elles sont super belles. J'adore la couleur et tout. Voilà, voilà. Ensuite, mon mari a pris ceci à 1,79€. C'est, vous savez, c'est les désodorisants là, à mettre dans les trucs automatiques. Et ils sentent super bon. Ils sentent la pomme verte. Ça sent super, super bon. Et il y a 250 ml. Voilà. Ça, je vous montrerai après. On va continuer par là. Alors... On a trouvé des petits verres comme ceci à 70 centimes. Ils sont trop trop choux. Donc c'est des verres à vin. Avec effet dentelle. Donc ils sont trop beaux. On en a pris deux. Ils sont maman. Et oui, oui, oui. Ensuite. Alors, les boîtes sont vides parce qu'on met tout dans une boîte à part. Donc on a acheté des granits au goût caramel beurre salé. Ils sont délicieux. On a payé ceci 1,35€. Il y en a 6 dedans. Donc franchement, très très bon. Je vous les conseille. Ensuite, c'était quelle chaîne? Je ne sais plus. Sur quelle chaîne j'avais vu ça. Je ne sais pas si c'était pas Nailanji. Possible. Ma chérie, si tu passes par là, je t'envoie des bisous. D'ailleurs, je fais des bisous à tout le monde. Ma chérie Nini de la chaîne Nini Beauty, Céline de la chaîne Céline Maigre, Solène de la chaîne Colorful Palette, je leur fais de la pub. Allez, Caro de la chaîne Fashion Barbie, Amy de la chaîne Addict Amy, Virginie des Trouvailles de Virginie, qui c'est encore que je peux citer J'en oublie, mais bon, voilà, je vous fais un petit peu de pub. Donc, je ne sais plus laquelle c'est qui avait montré ça. Donc, ce sont de la marque Milka, ce sont des petits brownies au chocolat. Il y en a 6 dedans et on a payé ça 1,29€. C'est bon. Et oui, c'est bon ça. Oui. Et ensuite, ceux-là, donc c'est des Alpen Coconut et Chocolate. Il y a 5 barres. À 89 centimes. Alors, c'est pas mauvais. Par contre, c'est pas super sucré. Et par contre, c'est des vrais morceaux de... Comment dire ça? De... Je vais y arriver. De noix de coco. Donc, c'est un petit peu sec. Si vous attendez à quelque chose comme un bounty, ben, c'est pas le cas. Le bounty, c'est quand même assez... C'est un petit peu un effet mouillé, quoi, de la coco. Tandis que là, ça fait vraiment la coco comme on peut manger un morceau de coco, quoi. Donc, à vous de voir. Voilà, après c'est pas mauvais. On avait pris au rayon frais, c'était à moins 50%, donc ils étaient à 2,99€ de base, donc on l'a eu à 1,50€ quoi. C'est de la marque Dr. Oetker, donc c'était du 500 grammes. Alors c'était un gâteau au chocolat fourré, vous voyez, après il y avait un petit peu du chocolat là.
Alors là, il marque, je sais pas, comme quoi il y a un abricot, je ne sais rien. En plus, c'est pas marqué en français, alors avec ça. C'est confiture d'abricot. Alors, franchement, il faut la chercher, la confiture d'abricot. Je vous le dis. Hein. C'est pas mauvais, par contre, c'est super chocolaté et c'est assez bourratif. Donc, voilà, à vous de tester là aussi. Après, c'est pas mauvais. Ensuite, un acheté, un gratuit, enfin, deux pour le prix d'un, quoi, de la marque Evernat. Donc, ce sont des céréales, vous savez, des pétales au chocolat. Donc, c'est quand même de l'agriculture biologique. Donc, il y a moins de 30% de sucre. C'est sans huile de palme, pardon. Céréales complètes, source de fibres, donc 250 grammes. Et on a eu 1,99, donc, deux boîtes. Voilà, voilà. Et elles les aiment bien. Franchement, les amis. Ensuite, des petits belins. Je vous avais déjà montré, mais c'était la boîte jaune. Là, c'est la boîte verte. Il y a les Monaco, les Triangolini, Best of et Mini Pizza. Il y a plus de variétés dans ceux-là. Donc, on les a pris pour, ben, pour Noël, pour les apéros de Noël du 24 et du 25. Et ceci, c'était 3,20. Donc franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas, en magasin, c'est en grande surface, c'est beaucoup plus cher. Voilà, voilà. Ensuite, là aussi, c'était 2 pour le prix d'un. C'est de la marque Tampico. C'est un jus d'orange. Hein. 1,5 litre. On a payé ça 1,25€, donc les deux. Donc on a dit là aussi pour l'apéro. Qu'on n'est pas, on n'est pas vraiment alcool fort ni alcool léger, que voilà. Puis pour les enfants, c'est très bien. Ensuite, toujours pour Noël, on a pris un petit vin blanc de la marque Bianco, Délé Vénézier, Lamberti, je ne sais pas, enfin bon bref, qui date de 2015 et on a payé ceci 1,39€. Donc à voir, à tester. Il a l'air bien, il a l'air bien. À voir. Ensuite, j'ai repris mes petites canettes de Lipton saveur Mojito. Je kiffe, mais c'est une folie, quoi. Je m'en bois à peu près 2 par jour. Enfin, une, voire 2, voilà, plutôt. Et j'adore. 2,34€ et je pense que j'irai m'en rechercher. Ensuite, pour la pépette, on a trouvé ça. Je dis, oh, pour jouer à la princesse et tout. Ce sont des petites couronnes en carton avec la reine des neiges dessus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Et on a payé ceci 50 centimes. Franchement, pour lui faire plaisir. Tu veux qu'on en mette une? Désolée pour le bruit. Vous savez, c'est quand vous faites des anniversaires et tout ça, vous achetez ça pour toutes les petites filles, c'est sympa. Voilà, voilà, attention, hein. la touche pas trop parce que tu sais, c'est en plastique. Hein. C'est belle. Oui, belle. Ensuite, j'ai trouvé des petites... des petites bougies. Alors là, ça sera pour maman, plus tard, ça c'est sûr. Oui, maman, c'est oui, ça. Donc là, c'est le numéro 1, donc on a dit qu'on l'utilisera pour quand ce sera 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Donc là, c'est belle, hein, c'est le numéro 1 à 75 centimes. Je sais pas de base combien, mais ça coûte cher ça. Quand vous l'achetez à Intermarché ou des trucs comme ça, c'est horriblement cher. Ça, c'est Aurore avec le numéro 8, toujours 75 centimes. Et ça, c'est le 9 avec Cendrillon. Maman! Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit, une petite découpe comme ceci, super chou, avec un papillon ouais, et des fleurs, des tulipes. Voilà. Et j'ai payé ceci 50 centimes. Ah ouais. Ensuite, mais ensuite ça va être du soin. Donc d'abord, si une petite robe comme ceci, trop trop belle, je trouve. Attends, pousse-toi un petit peu là. Si tu la touchais pas, voilà, tu la bouges plus.
Voilà, une petite robe cache-cœur là, vous voyez, effet croisé, qui arrive en dessous du genou. Là, et tu bouges plus. Au moins, ça t'occupera de ne pas bouger. Voilà. Pour la faire tomber. Donc voilà, elle est en. Là, c'est matière assez fluide. Voilà, voilà. Et j'ai payé ceci. Donc, 4,99€ la robe, ça vaut vraiment le coup. Je me tarde de la mettre. Ensuite, j'ai trouvé des petites bagues. Des petites bagues. Bye bye. Donc, j'ai trouvé une en blanc. Alors, vous n'avez pas... trop voir, il faut que je le bouche sans arrêt. Donc c'est en forme de cœur, vous avez de l'eau dedans et après vous avez des petites étoiles, là elles sont argentées, voilà. Ça c'était 70-75 centimes. Là, alors l'eau il n'y en a plus beaucoup dans celle-là, mais bon c'est pas grave. Je sais pas si ça peut se remettre. Elle est rose, voilà. Là, c'est du violet. Violet, entre le violet et le rose. Voilà. Et celle-ci. Attendez, je vais la mettre portée. Elles sont réglables. Hein. Voilà. Ça donne ça. Donc, j'ai trouvé ça, l'idée, super sympa. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Ulrich de Varès. Donc des petites des petits parfums, ouais, à 50 centimes. Donc j'ai pris le rose pâle, parce que je ne pense pas qu'il y ait des noms. Oui, je sens. Attends, je regarde s'il n'y a pas un nom. Ah mais si, ça c'est le Dream, ça c'est le Love, et le mauve c'est le Sexy. Voilà, donc 50 centimes unité. Ensuite, j'ai trouvé une petite palette. Là, j'étais super contente. À 4,99€ de la marque The Color Workshop. Alors, c'est-à-dire la marque que l'on trouve à Stokomanie. Et je vais vous montrer. Alors, il y a juste un petit swatch sur eux, mais c'est rien de terrible, quoi. Voilà. Voilà la beauté. Il y a des fards super beaux. Il y a des mats, des irisés. Vous avez un crayon là qui est un crayon marron que je n'ai pas non plus, donc c'est très très bien, je suis super contente. Et puis pour le prix, j'ai pas hésité. Et ensuite, ça c'est ce que j'avais trouvé moi, et après mon mari m'a gavé, je vais vous dire. Donc ça c'est ce que j'avais trouvé moi, de la marque Just. Donc ça c'est un blanc, une ombre à paupières à 69 centimes. Alors c'est le... Non, c'est rose. Le numéro 10, mais vous n'allez pas le voir. Donc, c'est un blanc comme ceci. Je vais essayer de vous le sortir à 69 centimes. Donc, voilà. Puis, il est joli. Hein, il y a écrit Just dessus et tout. Il est très, très beau. J'avais trouvé celui-ci qui était le numéro... Évidemment, il y a la grosse étiquette de Nose dessus. Le numéro 100, qui est un beau marron. Très, très beau marron. Voilà. Ouais. Merci foncé, parce que là il est plus clair. Là il est irisé et celui-là il est mat. Vous voyez? Et c'est le numéro 30. Et enfin j'avais trouvé un irisé mais plus clair. Très très joli. Très 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 joli. Et c'était le numéro. Maman, c'est le 110. Il est magnifique celui-ci. Et c'est des couleurs en plus que je porte régulièrement. Donc enfin, là, je ne suis pas maquillée. Voilà. Et donc ça, le reste, c'est mon mari qui m'a trouvé tout ça. À Castelnaudary. Alors tout d'abord, de la marque Crichton's. Ça vient d'Angleterre. C'est Argan Body Shower Cream. Donc il y a eu de l'huile d'argan et morocane. Je ne demandais pas. Crème de douche, 250 ml. Voilà. Et elle sent super bon.
Elles sont super beaux. Voilà, voilà. Ensuite, oh, pétard. Il m'a trouvé une eau micellaire, pardon, de la marque DL Dermalia pour visage et yeux en 500 ml. Donc, comme ceci. Pardon, je ne vous ai pas dit le prix par contre. 1,19. Et donc, l'eau micellaire, 2,99. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Non, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi tu le dévisses, Emma? Tu veux m'expliquer? Ah bon, on va sentir bon. Hein. Ensuite, on a trouvé... Oh, ben là, je peux vous dire que... Hein, trop de parfum, tu veux le parfum. Ouf. Il m'a trouvé aussi de la marque Enspa de brume pour le corps. Celle-ci à la mangue et celle-ci à la noix de coco. Non, non, non. Tout ce qui est liquide maintenant, tu ne l'as plus dans les mêmes. 1,50€ les 200 ml. Si, si, maman. De rien. Ensuite, de la marque. Là. Oui, c'est pour la bouche, oui. De la marque, alors tout d'abord, P2. Il m'a retrouvé, vous savez, c'est pour les ongles, là. Vous plongez votre ongle dans la mousse et ça, ils sentent fort. Et ça vous enlève le vernis. Donc, de la marque P2 et c'était à 89 centimes. Et il en a trouvé deux de la marque Just Cosmetic. Donc, à 99 centimes, voilà, ils sont comme ceci. Donc, il m'a rappelé parce que ça, il sait que je préfère le dissolvant comme ceci. Ensuite, il m'a retrouvé de la marque Just une ombre à paupières. Hein. C'est la 50, donc c'est un joli bleu irisé. Voilà, il est magnifique. Hein. Donc, à 69 centimes. Voilà. Ensuite. Un petit, de la marque Just Cosmetic toujours, un petit eyeliner. Comme ceci. À 99 centimes. Il me connaît bien, mon amour. Voilà, voilà. Ensuite, il m'a retrouvé, parce que j'en avais déjà un P2. Mais cette fois-ci, c'est la teinte Salute to Love, le 60. Pardon, donc c'est un bordeaux, on va dire. Ouais. Il est super sympa. Attendez, quelle heure, non. Quelle taille, hein. Ouais, je vais essayer de vous le swatcher vite fait. Oh, il est beau. Il est méga beau. Oh non, ça sent pas. Ça sent rien du tout. Voilà, voilà. Il m'a trouvé de la marque L'Oréal Paris. Alors, celui-ci. Ah, si. Le 108 Révolution Fabulous. Donc, à 1,50€. Tu vois, il sent un peu. Mais ça fait brillant, surtout. Ouais, vous le voyez. Ah, c'est un peu. Voilà. Limite, vous mettez ça par-dessus un rouge à lèvres si vous voulez que ça fasse un peu effet mouillé, quoi. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ensuite, il m'a trouvé à 1,50€. C'est un mascara de la marque Just Cosmetic. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne marque. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez et que c'est une bonne marque. La brosse est comme ceci. Il a bien fait parce que des mascaras, j'essaye de trouver un qui me correspond pour avoir de longs cils, de jolis cils. J'en ai un. Je t'avais dit de ne plus toucher. Voilà. Ensuite, de la marque Bella Oji. Il m'a trouvé. Donc c'est un eyeliner là aussi. Donc pinceau fin comme ça. À 89 centimes. Il est noir. Voilà. Un petit pinceau. Oui. Alors attendez, je vais essayer de
Inspire. C'est le numéro 707. Voilà, il est un petit peu biseauté. Il est super doux. Super, super doux. Donc, il est noir avec le bout blanc. Voilà, il est très, très doux. Je ne sais pas s'il perd les poils. Non, il a l'air de bien d'être pas mal du tout. Donc, de la marque Bella Oggi, là aussi. Ça vient d'Italie. Voilà, voilà. J'active parce que sinon... Toujours de la marque Just Cosmetics. J'ai trouvé donc un petit fond de teint liquide. C'est la teinte 10. Voilà. Il y avait d'autres teintes, mais j'ai pris la plus claire qu'il y avait. Parce que... Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé trois gloss. Donc, à 99 centimes de la marque Bella Oggi, donc toujours d'Italie. Donc, ça, c'est le 03 Delicate Orange. Vous les swatchez. Mais bon, c'est des gloss, donc vous n'allez pas voir grand chose. Hein, c'est quand même. Voilà, donc c'est celui-ci. Ensuite, il y a le 14 Red Grape Matte. Donc, c'est celui-ci. Super beau celui-là. Super, super beau. Ah, très, très beau. Voilà, c'est celui-ci. Et pour finir... Mais non, mais il y a plus de pages. C'était la dernière, ça manque. Le 10 Bubble Gum. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble bien. Il est là. Voilà. Donc, sympa comme tout. Oui. Et bientôt, oui. Ensuite, j'ai trouvé des vernis donc de la marque Just Cosmetics. Donc, ça, c'est un top coat que j'ai payé 75 centimes. Et après, donc, des vernis, je pense que c'est tous de la même... marque, ouais, sauf que celui-là c'est pas la même. Ouais, il y a celui-ci qui est pas de la même gamme, c'est la même marque, mais donc à 75 centimes là aussi c'est un gris, mais c'est Pearl Pop. Voilà, donc c'est un gris avec des paillettes et tout. Il est magnifique pour les fêtes celui-là. Et alors ensuite, c'est de la gamme All Time Shine. Donc, de Just Cosmetics. Alors, il y a le 180 spécial. Voilà. C'est celui-ci. C'est cette teinte-là. Il y a le 150 Beat. D'accord. Il y a le 240 Free. Donc, qui est un gris top. Il y a le 90 Spoiled. Il y a le 290 Strong, qui est un noir. Il y a le 040, qui est un marron top, et qui s'appelle Lucky. Le 230 Unique, ma couleur préférée. Le 070 Exclusive. Et le 080 Cute. Voilà. Et ils sont tous en 8 ml. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour les vernis. Et ensuite, il m'a trouvé donc deux kits. Pour c'est un kit de contouring. Ouais, c'est ça. Donc, à 1,50€, c'est de la marque Feel Sculpt. Ouais, je comprends. Bella Oggi, toujours pareil. Donc, ces teintes-là. Donc, je sais pas s'il y a le numéro. Parce qu'en fait, c'est pas la même. Ah, mais ça, c'est la 01. Et ça, c'est la 02. Ça y ressemble, mais
croyais qu'il m'avait pris deux fois les mêmes, mais non. Voilà, voilà. Donc 1,50€, c'est sympa, surtout que j'avais pas de kit comme ça, donc très bien. Ensuite, il m'a trouvé ça c'est un kit, cover kit, pour camoufler tout ce qui est boutons et tout ça. Voilà, donc super sympa. Ah. Oui, toujours à 1,50€, nous avons Tigrou parmi nous. Et ensuite, des petites palettes à 1,20€. Donc, il y a celle-ci dans les teintes marron. C'est là. Est-ce qu'il y a un nom? Alors, il y a le numéro 01, 03, 04, 05, 06, 08. Voilà. Donc, c'est dans les teintes marron. Il y en a une autre marron aussi. Voilà, mais qui est plus foncé. Donc, ça, évidemment, je ne peux pas. Ah, mais je ne peux pas vous l'ouvrir. Il est scotché fort que. Ouais, je ne peux pas vous ouvrir maintenant. Bon, c'est des teintes plus marron. Ensuite, il y a la. Je sais pas, non, mais en fait, je ne vois pas où c'est que c'est marqué la couleur. Je croyais que c'était là, mais non. Et peut-être tu ne touches pas. Donc, à 1,20€, là, c'est dans les tons gris, blanc et noir. Ensuite, là, il y a du rose, du bleu canard. Enfin, voilà. Toujours 1,20€. Là, c'est dans les tons rose et violet. Voilà. Et là, c'est dans les tons vert d'eau, bleu canard et tout ça. Voilà. 1,20€ aussi. Mais écoutez, vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Merci, c'est vrai que je ne le dis plus maintenant, mais je le pense. Merci à tous nos abonnés de nous être fidèles. Vous êtes un petit peu plus chaque jour et ça nous fait extrêmement plaisir. Si vous voulez envoyer une petite carte, même si Noël sera passé d'ici là, c'est avec plaisir qu'on recevra une petite carte. Ça fera extrêmement plaisir à Emma. N'hésitez pas à venir me parler par Facebook, par carte, par carte aussi, par email, sur Instagram. Allez voir ma page de création aux 1000 créations d'Emma. Je fais des petits prix. Et après, si vous voulez nous soutenir, c'est tout nouveau, je vous invite à aller voir le lien qu'il y a en barre d'infos qui s'appelle Tipeee. J'ai un compte Tipeee et vous pouvez faire un don, même si c'est 1€. Ça, si tous mes abonnés me mettaient 1€, ben, ça serait déjà, ça serait énorme, ça serait trop bien. Je n'oblige absolument personne, c'est si vous voulez nous aider et contribuer à, voilà, à faire avancer notre chaîne dans son contenu et dans sa qualité de vidéo. Voilà. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye, bye, bye.